On est parti pour le petit déj de l'hôtel, meilleur moment de la journée. On espère que cette journée se passera mieux qu'hier, qu'on aura le mojo. On va voir ça tout de suite. Des semaines que je vais me faire un petit déj avec des gros pancakes traditionnels avec la brasse de beurre. Et ben je vais le tester maintenant et je vais me prendre un petit peu de fresh fruit. Ce serait bien plus raisonnable de prendre le porridge, mais bon, on va se faire un petit déj trad. Tu prends des pancakes aussi? Ouais, peut-être. Toi qui as jamais faim le matin? Je crois qu'on s'est encore fait avoir. En fait, on a pris une assiette de pancakes chacun et c'est énorme à chaque fois. On n'a vraiment pas la place de manger tout ça. On aurait dû en prendre un pour deux. J'ai peur de voir la taille du truc. Thank you. It's for you. Thank you. Voilà. C'est bien ce qu'on pensait. Ils sont bien fluffy, hein. Il y a la bonne dose. Et on dit au revoir le Bumbleberry. C'était pas mal. Bon, c'était moins bien que la chambre d'hier, mais le petit déj était très copieux et très très bon. Du coup, on a parti là-dessus. On n'a plus de sous. On a tout dépensé. Regardez des publicités Utips. Le truc que j'ai gagné 5 euros en 3 semaines. Même pas. Non, 5 euros en un mois, je crois. Cheveux poisseux et en mêlée, louer une décapotable. La cata, c'est horrible. Mon dieu, vivement le shampoing là. Oh god, c'est une horreur. On est sur une horreur là. Ah, c'est génial! Trop chou! Il y a des boulettes, regarde, c'est des boulettes de trucs qui roulent comme dans les westerns! Non, mais c'est trop bien! On les a vus en vrai! Ah! C'est rafraîchissant! Bonjour à tous, aujourd'hui on se retrouve dans le Nevada cette fois-ci. Donc on a changé de fuseau horaire, il est une heure de moins. Et nous sommes à Cathedral Gorge State Park. Donc c'est un parc pas très grand, il fait 8 km², il est aussi un petit peu paumé. On n'est pas si loin de Las Vegas, mais ça reste quand même un parc un peu isolé sur le trajet. Mais franchement, je trouve que ça vaut le détour. On est sur des espèces de colonnes qui sont en argile, avec des formes hyper originales. C'est pour ça qu'on l'appelle la Cathedral Gorge, parce que ça ressemble vraiment à des petits motifs de cathédrale gothique. Et il y a un petit peu plus d'un million d'années, là où je suis, c'était un lac. Et toutes ces flèches d'argile sont donc les conséquences de l'assèchement de ce lac et de l'érosion. Et c'est donc ça qui forme Cathedral Gorge State Park. Et c'est super joli, donc je vous emmène avec moi. Vous allez voir tout ça. Là, je me suis un petit peu enfoncée dans un couloir de colonnes et c'est magnifique. En plus, il fait plus frais parce que là, on crève de chaud, on est dans le Nevada. Donc voilà, c'est le désert et j'ai de la poussière plein les yeux, ça fait mal. Ouh! Et surtout, on est sur un site qui est en perpétuelle évolution parce que chaque année, avec le froid, la neige et la pluie, l'érosion continue son travail et le site ne cesse d'évoluer d'année en année. La petite astuce beauté un peu slow, ça fait hyper longtemps que je me suis pas fait de masque à l'argile. Tout simplement venir au Cathedral Gorge State Park et s'appliquer un petit masque d'argile. C'est hyper slow, faut juste prendre l'avion jusqu'au Nevada. Ça ouais. Va être bien pour la peau. Ouais, tu veux pas essayer? Vas-y, trempe-toi dedans que je vois. Et maintenant nous arrivons dans la zone 51. Comme en témoigne le panneau derrière moi. C'est n'importe quoi. Thank you.
Rachel qui est dans la zone 51 à l'hôtel Le Little LA. Jeu de mots, ils sont aussi drôles que moi. Sauf qu'on ne sait pas du tout ce qu'on fout là, c'est complètement paumé, il n'y a rien, il n'y a que des caravanes. Et je crois que l'hôtel c'est genre des préfabriqués en fait. Je sais pas si vous avez vu le film Paul, qui était voilà, une comédie complètement con mais quand même rigolote, sur un extraterrestre qui s'appelle Paul. Donc l'histoire c'est genre deux geeks qui vont à la Comic-Con de San Diego et qui tombent sur un alien en plein milieu de la zone 51. Bah en fait ils vont dans ce resto et ils vont dans ce motel et à l'intérieur c'est complètement barré, il y a des stickers partout. Donc on va aller découvrir ça, ça va être rigolo. Mais je crois qu'on va fuir et qu'on va pas dormir là parce que je pense que ça va être dégueulasse. Je crois que les chambres c'est des préfabriqués. Et il y a 3 heures de route pour aller à Las Vegas. Et je pense qu'on va boire un coup, peut-être manger un peu parce que j'ai rien à déjeuner après mon fat petit déjeuner. Et je crois qu'on va fuir à Las Vegas directement et se prendre une chambre pas trop chère à Vegas pour ce soir avant d'enchaîner sur les 2 nuits qu'on avait déjà prévues à Las Vegas. Voilà! C'est chelou, dans les toilettes du Nevada, on te rappelle qu'il faut pas que tu boives de la bière et de l'alcool ou du vin pendant que t'es enceinte. C'est une habitude de la région? Comment ça se passe? Donc voilà notre hôtel, je pense que là c'est la chambre en préfabriqué, là c'est peut-être une piscine, et là je pense que ce sont nos toilettes, je crois qu'on va partir en courant. Bon, si au moins ça vous amusait, si ça peut vous permettre de pas faire la même erreur que nous et de juste faire peut-être un arrêt pour rigoler mais pas louer la chambre. Enfin on n'a pas vu l'intérieur, c'est peut-être très bien mais... Bonne idée de louer une chambre sur Fremont Street. Vous entendez le bruit? Ça va être jusqu'à 2h du mat. Et c'est demain qu'on se lève tôt? Ouais. Nous sommes arrivés à Las Vegas et on a loué une chambre au Fremont Hotel parce qu'on aimait bien Downtown Vegas, tout ce qui est Fremont Street, c'est tout le quartier un peu oublié, l'ancien Las Vegas, là où il y a un peu toutes les vieilles enseignes, les néons et tout, des hôtels un peu cool. Sauf que c'est très bruyant et très très animé. Donc je pense qu'on va dormir tard ce soir. On est dans un resto thaï et il y a pas mal d'options végétariennes et véganes et je pense que je vais prendre celui-ci. Et à chaque fois il y a le choix entre plusieurs viandes et le tofu. C'est trop cool. Il y a quand même moyen de manger végétarien à Las Vegas, ce qui était quand même assez étonnant. Thank you. On est sur un crispy tofu. Mais qu'est-ce qu'il fait? Personne n'a réussi, je sais pas pourquoi il veut faire ça.
Bon, on vient de rentrer à l'hôtel, on a bien bu, on a bien mangé. Par contre, il y a un boucan d'enfer dehors. On a demandé des boules caisses à l'accueil, ils nous en ont donné, ce qui est plutôt cool. J'espère qu'on va réussir à s'endormir puisque demain matin on se lève assez tôt, vers 6h du mat, parce qu'on part tôt pour aller à Valley of Fire pour visiter un petit peu ce coin-là qu'on n'avait pas visité il y a 3 ans. J'espère que ce sera cool, je vous emmènerai comme d'habitude avec nous. Je vous souhaite une belle journée ou une bonne soirée, je vous dis à demain, salut! The new sound of the 80s. Suddenly you hear it everywhere.